Hey hey, salut à toi, et bienvenue pour ce nouvel épisode de Rock Justice, joue à Spelunky 2. Aujourd'hui... Enfin, aujourd'hui pour vous, d'évidence, moi c'est la même session d'enregistrement que la dernière fois. J'avais dit, c'est... En ce moment c'est un épisode par jour, bah sauf quand c'est pas le cas, voilà. Et pouic pouic a-t-il dit, en avant. Écoute, si on arrive... À Néo-Babylone, globalement je serais jamais mécontent. C'est toujours très satisfaisant d'arriver à Néo-Babylone et après, pff, t'as vu le bazar. Le truc qui explose dans tous les sens au son des bruits de flipper là, c'est quand même un bordel sans nom ce truc. Donc, ce qui sera très frustrant, c'est les fois où on aura la tablette du destin et le Kirin et qu'il va se faire défoncer par un truc qu'on n'a pas vu venir. Bah, genre. Bon, on l'avait aussi perdu dans un ascenseur d'ailleurs, ils sont dangereux ces ascenseurs. Franchement, on parle des boules de feu, des petits trucs laser et des espèces d'humanoïdes là, qui détruisent le terrain avec leurs yeux. C'est qu'ils font quand ils meurent, mais en fait on pense pas assez aux ascenseurs qui sont quand même des pièges qui te tuent d'un coup. Quand même. Ah, il y a le pot du fantôme, du coup on y va. Mais bien sûr Monty, que je suis venu pour toi, évidemment. Où est l'argent Monty? Où est mon argent, Monty? Fallait parler. Bon, j'avoue, j'avais bien vu que ça allait se passer comme ça, et je l'ai quand même fait comme ça, un, parce que c'est un peu marrant, et deux, surtout, parce que j'avais la flemme de retourner chercher un caillou pour déclencher tous ces pièges. Je sais plus où j'en étais du coup. C'est pas grave. En avant. J'en suis à prendre une flèche dans la gueule d'évidence. Ok. Ah. Kali est ici. Ok. Mais en même temps, comment on y revient après? Ah, vous êtes totalement isolés là tous les deux. D'accord. Bien ce début de niveau, dis donc, en termes de dégueulasserie. C'est pas mal ça. Oh, puis c'est compliqué de remonter après. Bon, bah écoute, hein. Yakaya! Ok. Pouette. Yes, yes. Il y a quand même des chances qu'on profite absolument pas de la présence de cet hôtel dans ce niveau, mais en même temps, vu comment il a été généré, faut peut-être pas trop s'en vouloir non plus. Et je veux d'évidence cette torche pour cramer toutes les dindes. Je pourrais dépenser une bombe pour un peu d'argent et la dinde. Néanmoins, Timber. Néanmoins, j'ai décidé de pas le faire. Quand même beaucoup de choses inaccessibles dans ce niveau, c'est pas très sympatoche. Oh, c'est comme ça. Écoute, on avance. Par contre aussi avancer un peu plus rapidement dans les niveaux. Toc toc, merci pour les bombes, on n'a plus de problème de bombes pour un moment. C'est très bien. On a la clé, très bien aussi. Je pourrais peut-être aller allumer la torche dans le magasin. Parce que c'est vraiment très utile. C'est pas dit. Encore, je sais pas combien de cordes pour remonter quoi. Pas chouette. Ce truc qui met des chiens tout en bas et des hôtels tout en haut, c'est pas cool. Mais bon. Vous avez vu passer quelqu'un? Hop. Et les hurles. Oups. Crac. Et bah du coup c'est tout. Il y avait tellement de choses à faire. J'ai presque envie de lancer une bombe là. Pff, après tu vas faire quoi? Faudra des cordes, t'as pas beaucoup de cordes. Bah écoute, je me casse. Un peu l'impression d'avoir loupé des opportunités en ce début de partie, mais bon, en même temps, la partie elle va être encore longue.
On a déjà les outils pour continuer assez longtemps, donc c'est peut-être pas si grave. Pas très cool tout ça. Je suis très fier de pas avoir mal géré cette zone. Je vais dire que j'ai bien joué. Ouh là 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 là. Attends. Oui. Ça va les chevilles, non? Ah. Attends, saute, mais reste bien à droite. Voilà. Cool. Ok. J'aurais peut-être dû aller chercher le caillou. Ah, j'ai les bottes cloutées, c'est pas grave. Tiens, cadeau. Il y en a un là de cailloux. Hop là, hop là. Ok. Ouf, comment on l'enchaîne là? Allez hop. Ok. Nickel. Et ben voilà, ça. En plus on réussit ces ceux-là du premier coup, mais qu'est-ce qu'on a bouffé ce matin? Je sais pas, je crois que c'est le dernier épisode, là ça m'a clairement mis dedans. Hein. On est dedans, on est le jeu, on est Spelunky. Juju Spelunky, le petit frère inavoué de d'Anna. Ok. Alors j'ai pas énormément d'argent, mais tu vois, je me dis maintenant c'est pas forcé. Ouh. C'est pas forcé, j'aurais pas dû le tuer comme ça lui. C'est pas forcé d'aller à la jungle avec beaucoup d'argent parce qu'en fait, on sait que le marché noir il est pas tout de suite. On sait que le marché noir il est jamais au 2-1. Maintenant on le sait, c'est établi dans notre... Je suis tombé trop près du bloc... Attendez, je me mets à ce niveau là à gauche là. Je suis tombé trop près de lui et du coup il a commencé à faire des pics comme ça. En plus de celles qui étaient comme ça et comme ça. Et elles ont failli me tuer au retour. Pas cool. Ok. Bah écoute, tant que ça nous tue pas. Ok. Ah. On te tient. Je dirais que je te fasse un gros câlin. Allez, à bientôt. Trop cool. Enfin quoique, trop cool, pourquoi? Pour Van et Vlad, et ouais, bah non, il n'y a pas Van et Vlad là, c'est pas aujourd'hui. Comment on peut te sacrifier toi là-haut? On peut pas trop, toi par contre, je peux te sacrifier vivant et à nous la capala, c'est bon. Excellent! Ok. T'inquiète, ça va aller. Ah bah non. Bon. Et ma capala? Ah, c'est pas grave, on a toi. Toi t'es le bon. De v'là. Oi oi. Et la capella. Ah non mais. Très bien. Alors, on va quand même plutôt prendre pour l'instant l'idole que. Que le boomerang, même si ce serait bien d'avoir une arme. Parce que. Bah, attends. Voilà, donne-moi tout ton sang, toi. Ouf, ça a presque donné un PV entier ce petit moustique. C'est moi ou. Parce qu'on avait quasiment pas rempli la capella avant. Je l'ai vue d'un coup être toute rouge. C'est peut-être une vue de l'esprit, mais en tout cas, voilà, on retiendra ça. Ok. Donc on n'a rien à faire dans le 2-1 à part choper de la thune. Voilà, ça c'est fait. J'ai pas envie de dépenser de l'argent ici. Et du coup, on a quand même un boomerang. Elle est pas belle, la vie. C'est comme si c'était écrit, quoi. Ok. Persil, t'es là. Il y a Monty qui s'est libéré tout seul. Mais qui est mort. Merde alors. Oh la colle là. Avec 24 bombes déjà en stock, on est bien. Épouette. Et alors le problème c'est que Persil allait à droite et on y a. Faut payer. Banane. Et on n'y a pas du tout accès. Alors du coup avec autant de bombes, priorité l'argent. Pour ça. Du coup, là on voit un rubis, on y va.
parle de celui qui est vers le bas. Voilà, celui-là. Ensuite, alors clairement, on veut pas que ce bloc pète le coffre. Ah! Voilà. On fait ça comme ça. Un autre rubis. Parfait. Un coffre avec 2700 balles dedans. Excellent. Attention à comment tu fais les choses, parce que sinon, tu pourras peut-être pas remonter. Là, pour l'instant, ça marche. Ouais. Ok. Excellent. Je sais pas comment je fais pour creuser aussi vite d'un coup, mais je sais pas, on a mis le turbo. On a trouvé le rythme. Deux caisses, écoute, des cordes, ce serait cool, mais 32 bombes, c'est très bien aussi, si tu veux. Ok. Alors clairement, je sais que je disais il n'y a pas si longtemps encore, oui, il faut prendre l'habitude de faire le truc avec Larry. Écoute, un problème à la fois. Ah, 32 bombes. 32 bombes, hein. Allez. Donc il faut qu'on retourne vers... T'as pas de cape. Oh la vache. Pourquoi je pensais avoir une cape, moi? Ah. Ça, on a perdu un boomerang du coup. Sauf si... Fais gaffe au pic au-dessus. Voilà. Attention, ça pique dur. Duck. Slurp. 6 PV. Parfait. Comment on remonte? Faut beaucoup de bombes là. Vous ici, madame. Eh ben écoute. Ça va être comme ça avec les 32 bombes qu'on a. Enfin, 31, 30. Hein. C'est bizarre. On en a de moins en moins. On n'a pas beaucoup de cordes, mais n'empêche qu'à un moment, on va falloir peut-être en utiliser quand même. Et c'est bien persil. Ouf. Ça aurait été un truc avec une clé alors qu'on a le passe-partout, j'aurais été malheureux. Ok. Est-ce qu'on veut aller choper mon petit... On pourra pas le choper comme ça. C'était juste pour le sacrifier sur l'hôtel de Kali, ça fait du sang, ça fait du coup des PV, mais bon. Slurp. Slurp, slurp. Vive les papillons. Ok, ok. Ça c'était le PV qu'on venait de perdre, très bien. Et on se casse. Est-ce que je préférais pas la torche? Non, parce qu'elle sera éteinte après. Allez go. Ok, marché noir. Tiens, une ruche dans ce niveau. Ah, elle est là-bas, elle. Ok, alors on y va. C'est elle ou pas? Yes! Ah, il y a des trucs en dessous. C'est la ruche ou c'est marché noir? C'est un marché secret. J'arrive pas à voir ce qu'il y a. Il y a des gants de grimpe. Comment on y va? Va savoir, peut-être à droite. C'est pas évident. Comment on y va? Ok, ok, merci. Alors, fais gaffe. Je sais plus combien de PV on peut... Enfin, combien de dégâts font ces pièges-là. Tu meurs pas dans les pics, toi? T'as les pieds tellement poilus que tu peux marcher sur les pics, c'est ça l'idée? Comprends pas. Ok. Alors. Ce serait dommage de mourir dans la ruche, mais en même temps. Ah, il y a une machette. Avec la machette, on peut tuer la reine, hein, sans trop de soucis. Apparemment, il y avait Monty quelque part là-dedans. Je l'avais pas vu, il était peut-être pris dans la gelée. Oh merde. Pardon, engage. Ok. Ici. J'ai peur de me retourner, je vais la tuer comme ça, c'est pas grave. C'est pas un problème de le faire à l'envers. Hein. J'ai failli mettre une bombe en me disant haha, comme ça je chope direct le marché de Toon, sauf qu'en fait ça va. Très probablement énervé.
Il y a des chances que ce soit le marché noir, ça, non? Ou c'est juste une zone bizarre? C'est une zone bizarre et étrange. Tout à fait. Ok. Du coup, ça me dit pas comment on va chez toi. Le gruyère, quoi. Ok. Et bah, très bien. Alors, on a une idole quand même à choper. 63 000, hein, déjà. T'as plus beaucoup de temps. Au fait... commencer à s'en soucier. Alors j'ai pas entendu de pouet pouet hein, donc je pense que c'est pas là le marché noir, mais si c'était là, bah écoute, tant pis. Lidl, 8 secondes, t'es sûr? Si on le fait apparaître ici, on a le temps. Vas-y, attends. Le fantôme apparaît à gauche. Coucou. Ce que j'aime pas avec le fantôme, c'est que la première chose que tu vois quand il apparaît, c'est ses doigts là qui font des albiens. C'est quand même pas chouette, hein. Bien, on a deux enfants de la famille potager. Je sais pas pourquoi c'est des enfants, ça se trouve c'est pas des enfants. Il que ce soit des enfants. T'as cru que t'allais le choper comme ça? Yaaaah! Le saut de la troisième corde. Oh la vache. Ok. Comment que je me suis fait peur entre le piège à ours et oh non. Et l'éventualité de... Oups. J'ai pas les gants finalement. Et l'éventualité que le piège à ours pète la jarre du fantôme, j'étais mal. Ah. Voilà. Très bien. Tu l'as pas volé celle-là. Et sinon, le marché noir Oui, non, peut-être. C'est pas trop. J'ai l'impression qu'on l'a loupé. C'est une idée ou pas? On l'a pas loupé. Et tu sais quoi? La musique est pas pareille quand il y a le marché noir en fait. Parce que là, c'est un peu le rythme du marché noir, c'est pas le rythme de n'importe quelle zone. C'est pratique, ça. Faudra retenir. Du coup, comment on y va au marché noir? Peut-être par là. Ah, en tout cas, là, il y a quelque chose. Yes. Il y a un truc de bombe juste au-dessus. Ah, mais on peut pas y aller. Ok, si tu veux. Mais comment on y va? Mais comment on y va? Oh, ah, ah, oh. Ah, oh, ah, oh. Ah, il est pas mort. Alors, attends. Là. Yes. Tiens, cadeau, copain. D'accord, mais n'empêche que... On sait pas du tout où il est. On voit même pas le poète-poète alors qu'on sait que le truc est dans le niveau, quoi. C'est fou. C'est fou, cette affaire. Non mais ça c'est le début, c'est pas là. Merde. 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 Oh, merde. Et ma machette elle est où? Ma machette est perdue. Pour toujours. Et 3 minutes, on n'a pas le marché noir parce que l'œil en fait ne s'allume pas alors qu'on sait que c'est le bon niveau. Putain c'est ouf ça. Je comprends pas. Ah bah super, vas-y, commence à faire pouet-pouet maintenant. Il était sous l'idole comme de... Ah, c'est chiant. Pardon du langage, mais c'est chiant. Ça vaut peut-être pas le coup de mourir à Olmec. C'est dommage, ça. Bref, allez, c'est de l'entraînement, c'est pas grave. Maintenant, on va être vénère quand juste on bat Tiamat, quoi. T'y es pas sinon, hein, au fait.
N'empêche que... Est-ce que... On peut... Quand même... Avoir la tablette du destin. Donc on n'a pas de couronne. Donc on peut pas ramasser Excalibur. Est-ce que cloner Excalibur et avoir une épée cassée, ça suffit pour tuer Kingu? Je pense pas. On n'a jamais essayé de tuer Kingu autrement en fait. Parce que ça semblait être juste pas la bonne solution, hein, par rapport à ce qu'on savait du truc. Ça aurait pu être un squelette. Enfin, c'est un squelette, mais un squelette qui nous attaque. Aïe. Coucou. Non, pas maintenant, pas maintenant. Maintenant. Allez, lance les loin à gauche, merci. Zéro outil de mobilité. Hein. J'ai les chaussures cloutées et la patte, quoi. J'ai trois cordes. Ok. Et lance les loin, non. Ouais, pas grave. Tant qu'il me reste ma petite plateforme là. Allez, encore. Encore. Ah non, 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 non. Maintenant. Ça a bien creusé, hein. C'est bien ça. Allez, encore. Ok. On a plus cette plateforme, mais c'est pas... Oups. Ok. Ok. Ah, j'ai eu tellement peur. Ok. Ok, ok. Alors, attends. C'est bon. Youpi! Ah, je vais me faire mal en descendant. J'ai pas de parachute. Ah, oh, c'est pas du tout prêt. J'ai toujours utilisé une autre corde. Cette partie est bien mal engagée. Cours, 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 cours. Essayer de faire un truc où t'as pas besoin de corde pour remonter. C'est bien ça. Alors maintenant, faut juste réussir à sauter sur le mec. Ou l'emmener comme ça. Ce qui est quand même sauvagement burné. Non, je suis coincé. Me casse pas mon rôle, mec, toi. Ok. Ok. C'est toujours tendu. C'est toujours tendu. Mais moins on a d'outils pour le faire, et plus c'est tendu. Bon, après, c'est pas déplaisant à faire, mais... Un peu stressant, quand même. Hein. Allez. Écoute, on a l'ancre, mais on n'a pas de chapeau. Y a-t-il moyen de faire quand même les choses? J'en sais fichtrement rien. Je sais pas. On verra bien. Clairement, au temple, sans la couronne, tu ne peux rien faire. Est-ce qu'il y a la main résiduelle sans la couronne? On peut rien faire. Écoute, on peut toujours aller à Kingu et voir, voir ce qu'on peut lui faire, parce que ça se trouve, on peut le tuer autrement. C'est vrai que la description dit juste qu'il a résisté à une comète, mais la description dit pas que seul Excalibur le pourfendra, tu vois. C'est après l'idée que le jeu marche par séquence m'a obligé à penser que ça fonctionnerait comme ça, mais finalement, on n'est pas du tout sûr. Pas du tout. Et bon, clairement, on va pas au temple parce que le temple, pour le coup, c'est sûr, ça marche pas. Ça marchera pas. Pas peur. Parachute, tout va bien. Yeah, yeah. Fallait pas rater la corniche, s'il te plaît. Hein. Allez. Toujours un truc qui nous manque. Hein. Le chapeau. Ou alors on meurt trop tôt. Parfois c'est les deux. Oh, saleté de corail. Tiens, tu l'as pas volé celle-là.
Bon bah voilà. Ah, le sang est bien rouge hein. Alors du coup on a quand même zéro outil, donc c'est bon. Ah, on a plein de bombes. Et la pâte. Ce qui n'est clairement pas dénué d'intérêt bien sûr. Néanmoins. Alors attends, parce que t'as beaucoup d'argent et du coup là. Go 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 Tusk. Go go Tusk. Go go gadget au jackpot. Non ah, mon petit. J'ai pas réussi à l'attraper. Est-ce que j'ai vraiment envie de prendre ça? On réfléchira si on a autre chose, sinon on prendra ça. Allez go. Cool. Alors là je le prends plus pour éventuellement. Non. De bourre pas de dés, ça peut être un problème. Je le fais juste pour qu'elle me donne autre chose. Clairement c'est pas la pioche qui m'intéresse dans les niveaux de. Ça non plus ça m'intéresse pas. Dans les niveaux de la mare résiduelle. Allez. 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 Quoi? Ah d'accord. Attends, tu veux dire que je peux juste donner un coup de fouet dedans? Ah non. En fait, moi je voudrais vraiment des outils de mobilité quoi. Tout ce qu'elle m'a proposé là, c'est pas du tout ce qu'on veut. Maintenant on peut plus aller à Kingo de toute façon, soit pas bête. Est-ce qu'on peut y aller avec une pioche? Non. On peut le faire juste pour aller à son palais des plaisirs plus tard. Après il reste pas beaucoup de temps. On a peut-être d'autres choses à faire dans ce niveau quand même. À l'avoir fait jusque là. Allez. Allez. Ok. Ok. Cassos. Alors, ensuite. Gaffe au piège à loup. Va pas aussi te faire écraser au-dessus d'une porte, ce serait vraiment ridicule. Et... Ah peut-être qu'il y a d'autres choses à trouver dans la mare résiduelle, tu vois, en fait. C'est vrai qu'on est toujours sur les histoires de couronne, d'Excalibur et tout. On a trouvé Madame Tusk, mais ça se trouve, il y a plein d'autres choses à faire. C'est vrai qu'il y a des structures qui se répètent parfois. Et on n'a pas vérifié si éventuellement elles pouvaient être liées à d'autres... D'autres choses, tout comme le flingue de clonage, hein, on n'en fait rien à part multiplier Monty et se donner des PV, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses à faire avec? C'est sûr qu'il y aurait éventuellement d'autres trucs à cloner qui pourraient être rigolos, mais d'autres trucs nécessaires pour un secret, quoi, je parle. Évidemment, toujours moi et mes secrets, tu vois. Surtout Spelunky et ses secrets. Pareil, le poisson, on n'en fait rien, quoi, c'est dommage. C'est très très dommage. Aujourd'hui, on en fait quelque chose. On fait de la chair à poisson. Il y avait un hôtel de Cali ou pas? Non. Hein. Je crois pas. Dommage. Oups, désolé Axel. Et copains. Ok, toujours cet agencement-là. Toujours. Comme tous les trucs fixes, ça donne envie de penser qu'il y a plus, mais est-ce qu'il faut mourir dans cette conque avec l'encre pour faire quelque chose? Pff. Pas vraiment de choses qui nous laissent supposer. Hein. Y a pas de porte inaccessible ou de trucs comme ça. Bon. Le placement d'Excalibur est juste exquis aujourd'hui, hein. Je tiens à le dire. En fait, quand il y a du sang, essaye de le choper quand même.
Ah mon petit. Ok, et je crois qu'on se casse du coup. Ah, faut une... Non. Pas obligé. Ok, 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 ok. Ah. Urgence, bébé avait besoin d'un câlin. Et petit câlin et de fort de ce réconfort, j'espère que nos efforts vont être maintenant récompensés. Saleté. Ok. Très bien. Dis donc, je pourrais essayer de t'amener à la dame des raccourcis, toi. Je pourrais. Tiens, on va aller voir quand même. Bah bravo. Ah non, pas de porte. Merde, je peux plus remonter. J'ai pas de gants, j'ai pas de corde, j'ai rien. J'ai pas de corde, j'en ai trois quoi. Mais t'as pas d'ancre. Qu'est-ce que t'es venu faire? Je sais pas, je m'étais dit, mais si jamais un jour... Tu vois là, ce petit raccourci qui est à droite. Il aurait pu donner en bas avec une porte, on sait jamais, on sait jamais. Oh merde. Je vais utiliser toutes mes cordes ici. Fallait vraiment pas venir là. Ah, qu'est-ce que t'as pour moi toi? Pff, rien. Ok. Après ça pourrait être autre chose, tu vois, ça pourrait être par exemple une porte qui donne sur le niveau où il y a la lave et les blocs explosifs. Auquel cas, si je mets une bombe devant une de ces portes, l'explosion se produit aussi de l'autre côté. Et paf, on a déclenché la réaction en chaîne et paf, ça fait... Des chocs à pic! Dis donc, à mettre ta pince dans la lave, toi t'es pas censé avoir mal quand même? Il nous faut mon petit du coup. Poison, tout ça. J'étais en train de réfléchir à comment l'attraper et du coup j'ai oublié d'esquiver ses pics. Ah bah celle-là. Elle commence vachement bien. Deux crocs de serpent, très bien. Bon bah voilà, de toute façon cette partie, pour ce qui est en tout cas du killing, etc., était foutue. Elle était fichue. Du coup, bah tant pis. Après je suis pas pour mettre à la poubelle les parties qui ne pourraient pas aller plus loin que Tiamat, parce que bon bah quand même aller à Tiamat c'est quand même toujours un plaisir. Et déjà, c'est super quand on y arrive, donc bon, voilà, mais c'est vrai que j'en ai plus. J'en ai plus. Donc on essaiera à chaque fois, évidemment, de faire l'effort de choper tout ce qu'il y a à choper pour aller au-delà de Tiamat. Après, si on peut pas, comme dans la partie d'avant, bah, on va la jouer quand même, mais j'avoue que là... J'avais quand même finalement pas tant de choses que ça, à part énormément de bombes. C'est que ce piège à con. Et du coup... Du coup, ça rendait quand même l'exploration extrêmement compliquée dans cette main résiduelle. J'ai un PV, cette taupe va nous tuer. Hack. Coucou. Donc ouais, quand même, c'était pas simple la main résiduelle là sans outils, mais... Enfin, un peu moins d'outils que d'habitude. On a quand même des trucs, hein, mais... Mais bon, bref. Tout ça pourquoi, d'ailleurs? Parce qu'on n'a pas eu de marché noir, c'est ça? Là, on a raté le marché noir parce que l'emplacement était encore débile au débile. Enfin, encore. On n'a pas eu beaucoup d'emplacements comme ça. Non, j'ai raté 500 balles. On n'a pas eu beaucoup non plus des emplacements comme ça, mais... On en a eu plusieurs fois. Et bah à chaque fois c'est dégueu. Franchement le cacher dans la structure avec l'idole là c'est vraiment pas cool. Hein. Il y a beaucoup de blocs. L'œil de Uja là qui fait absolument aucun signal du niveau. Et on se rend compte hyper tard que bah oui c'est bien là qu'il y a le marché noir, on l'a pas raté avant quoi.
C'était vraiment pas top. Je sais pas pourquoi j'ai fait ce saut comme ça. Parce que j'étais en train de râler et le jeu m'a puni. On va dire ça. Nice. Bon, allez. En avant, au liqueur, au liqueur, au liqueur, au liqueur. Oh. Ah bah tiens, nous voilà à la fin. Bah écoute, c'était pas prévu comme ça, mais... C'est vraiment dommage de louper... De louper la jarre du fantôme. Regarde, on a 1000 balles, on a rien. Avec une corde, on peut l'avoir. Oh, j'ai snipé cette taupe. Je suis pas peu fier. Comment ça, c'était pas voulu? T'en sais rien. Allez-y. En avant. Bon, ça aurait été mieux de pas avoir utilisé de corde, évidemment. Pour choper la... La jarre, là, même. Alors, de l'argent, de l'argent, de l'argent. La clé et l'œil semblent accessibles, ainsi que cet hôtel de Cali. Si le chien est pas trop loin, ce serait vraiment parfait. Oh, toi, faut que tu viennes avec nous. Zut, je l'ai loupé, je l'ai loupé. Il s'était pas si loin que ça, on aurait pu mettre l'homme des cavernes et le Moloch dessus. C'est vraiment ballot. Opportunité totalement loupée. J'y réfléchis. À choper le pot du fantôme. Je suis en train de me dire que j'ai envie d'aller à Vulcania pour une partie un peu plus rapide et funky. Qui potentiellement s'arrêtera de manière abrupte, mais c'est pas grave. Quand même, on joue de plus en plus vite et pas forcément mal. On pourrait jouer vite et faire n'importe quoi, mais franchement, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal ce qu'on arrive à faire maintenant. Allez. Oh, 1-3, je pense que prendre mon petit au début... Voilà, exactement pour ça. Pourquoi tu... Je peux clairement pas sauter pour tirer ce truc vers le bas, hein. ça me ferait immédiatement sauter dans les pics et crack. Enfin, et spruik. 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 Avec une petite gerbe de sang là. Il me faut cette dinde pour aller chercher mon petit qui s'est barré comme un lâche. Mon petit, affronte tes responsabilités, jetpack. Vulcania devient un tout petit peu moins sexy avec ce jetpack, mais... Après, c'est pas interdit non plus d'avoir un jetpack à la forêt et de jouer vite dans la forêt, la jungle, et de jouer vite dans la jungle. C'est pas interdit. Je pense qu'on va pouvoir acheter les bombes en plus. Oups. Pas grand chose hein. C'était tout à fait voulu. Vous avez le droit de pas me croire. Ok. Ok, tu veux jouer à ça, ok, ok, ok. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait tout à l'heure ça. Nickel, cette taupe ne peut pas venir parce qu'il y a du bois partout, c'est dommage. Ah, oh, 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 qu'est-ce que c'est que tout ça? Il n'y en saura jamais rien. Chut. Mais ces niveaux où il y a tout, c'est absolument déconcertant. Pousse-toi le scarabée. Non, te mets pas là. Ça coûte moins cher ici. C'est incroyable. Ok, et si j'utilise mes bombes pour péter tout ce qu'il y a dans le niveau, est-ce que je chope pas plus d'argent au final? Peut-être pas. C'est dommage de pas choper la capala quand même. Hein. Est-ce qu'on peut la choper?
peut-être en mettant Yang et le marchand, mais c'est un prix lourd pour ma conscience, bien sûr. Ma conscience, quand même, je ne peux tout de même pas sacrifier d'être vivant à une déesse sanguinaire. C'est... Ok, c'est pas grave. Merde. Toc toc. Parfait. Non. C'est bon. Et bah apparemment c'est quand même un Vulcania que je vais. D'accord. A pas peur. A pas peur, on l'a dit il y a pas longtemps, a pas peur. De toute façon, ce qui te bute à Vulcania te tuerait probablement en un coup. Avec ou sans jet, pas que. Jet pas que. Je sais pas pourquoi je dis ça comme ça. Go. Bienvenue à Vulcania. Ah, eh bien, merci à toi d'avoir regardé cet épisode de Rogue Justice, je joue à Spelunky 2, j'espère qu'il t'aura plu. Je vous dis à demain pour la suite, d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.